nous sommes aujourd'hui, ce soir, à la troisième édition des Trophées de la Prévention. Donc, cette édition qui cherche, ou bien ces trophées qui cherchent à promouvoir la prévention au niveau du risque, au Maroc pour l'entreprise marocaine. Trois types de risques qui sont ciblés, c'est le risque incendie, le risque accident du travail et le risque routier. Pourquoi cette manifestation? C'est que promouvoir la culture de la prévention, on sait très bien que la partie assurée par une entreprise, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg, et la partie non visible, ce sont des coûts qu'on ne peut pas assurer, ce sont les risques de l'entreprise. Et toute entreprise doit mettre en place un plan de prévention et gestion de risque pour améliorer son exposition et garantir sa continuité. Donc, fort d'une expérience, parce que ça fait 10 ans qu'on a démarré Wafa Prévention au niveau du marché marocain, et on a vu le succès et l'engouement de cette démarche, de cette méthode. Et donc, on a voulu célébrer les entreprises. Donc, comme vous l'avez vu, il y a trois catégories. La catégorie grande entreprise, la catégorie PME-PMI, et puis il y a le prix spécial du jury qui permet de récompenser une entreprise peut-être qui n'a pas atteint encore le niveau d'être dans les deux premières catégories que j'ai citées, mais qui a montré un saut quantitatif et qualitatif assez important en matière de prévention, et que ça lui, et donc c'est de l'encourager, de lui dire que vous êtes sur la bonne voie, et on aimerait bien que cette entreprise continue dans cette voie-là.